Tessier, troisième entraîneur cette année de cette équipe. Oui. Où était le problème exactement? Bah, malheureusement, on a eu le premier entraîneur pour des raisons familiales qui est obligé d'interrompre en fait le cours de la saison. On a eu un deuxième entraîneur derrière qui se promenait Manu Petitot et qui a eu des problèmes aussi de santé, bon, moins grave, c'est au niveau des genoux, mais bon, il avait les ligaments dans le sac donc il n'a pas pu. D'accord. Et du coup, bah, je me suis proposé en attendant pour la fin de championnat, il ne restait plus que 5 matchs à faire. Ça s'est bien passé et puis il y a une bonne ambiance dans l'équipe donc très bien. C'est parfait. Et donc la collaboration avec Noël Massé se passe bien? Très bien, super entraîneur qui re-signe pour les prochaines encore. C'est vrai qu'il rassemble vraiment les joueurs et donc c'est vraiment parfait, il y a une bonne cohésion entre toutes les équipes. Donc il faut continuer comme ça. Très bien, bah, c'est une bonne nouvelle pour le SL. Exactement, ouais, il faut continuer comme ça et puis bon, on verra bien les prochaines au niveau des objectifs. On va définir ça au niveau de l'Assemblée Générale et puis en fonction de ça, on avisera pour l'année prochaine. Très bien. Et quelles sont les consignes pour aujourd'hui? La victoire. C'est vraiment la victoire, bon, comme à chaque match, mais bon, c'est un petit peu particulier aujourd'hui, c'est la fin de championnat. Donc il faut se donner, je pense que les joueurs sont motivés, on a le beau temps avec nous, ça change d'habitude. Donc, très bien, bah, écoutez, bon match. Bah, merci. Pardon? Mais j'arrête les discours, mais après faut me payer quoi. Oui, mais il y en a qui vont se payer la tête peut-être. Hein. Il a dit encore la semaine dernière, il a pas hésité, il a mis deux blancs au mec, il a dit qu'on vit, on va aller pendant 10 minutes, et si ça gueule sur le terrain, il n'hésitera pas. Donc on dit rien. Ouais bah moi la semaine dernière, j'ai mis 3 rouges. Ouais mais ça veut dire que t'es strict, comment il est dans le jeu. Les coups francs, si on voit qu'on peut les jouer vite, on le dira. S'il ne dit rien, on attend. D'ailleurs, s'il n'a pas l'état arrêté qu'il dit jouer, tu peux la poser, la jouer. S'il dit rien, ça veut dire qu'il est avec un joueur ou regarder ailleurs.